Shalom à tous. Cette vidéo, et je prophétise que l'Éternel ouvre la porte dans la vie de quelqu'un au-delà de ce qu'il puisse imaginer. Madame, monsieur, bienvenue à bord d'Air France sur ce vol à destination de Abidjan. Nous vous prions de ranger votre valise cabine dans les coffres. Seuls les accessoires et les bagages de petit format doivent être placés. Très important. Sous le siège devant vous, les issues de secours doivent rester dégagées. Il est interdit de fumer. La cigarette électronique n'est pas autorisée. Elle doit être éteinte et conservée sur vous. Ladies and gentlemen, welcome on board. Air France will be with you on this flight. Please store your baggage in the overhead compartments. Only small hand baggage and accessories must be placed under the seat in front of you. Emergency exit must be clear. Celui qui partage cette vidéo, que Dieu bénisse la personne. Quelqu'un dit tu es beau aujourd'hui, tu as ta foutaise, mais je suis toujours mignon. C'est payé facilement les petites masses. C'est beau. Parce que. Nous sommes en train d'entrer à Abidjan. Ouf! Et là, j'ai eu la chance d'avoir la première place en business class. Souvent, c'est important. Ça te permet d'être assez intelligent dans la vie. Parce que quand tu voyages en business class, dans l'art de la marmaille, partagez la vidéo pour donner les secrets de la marmaille. Si nous sommes à 1000 personnes, je commence à donner des secrets de la marmaille. Ça voudrait dire que vous partagez la vidéo. À 1000 personnes, je commence à donner des secrets de la marmaille. Lolo, faut partager la vidéo. Il faut partager la vidéo, c'est important de partager. Il faut partager la vidéo. Je dis à 1000 personnes, je donne des secrets de la marmaille. Donc si tu partages la vidéo, que ça arrive à 1000, viens te montrer pourquoi il faut voyager en business class. Mais si tu n'as pas partagé, tu ne vois pas 1000 personnes, j'éteins en direct. C'est pour ça qu'il y a des choses, c'est une chose que je ne veux pas partager. Il y a une voix qui me dit parle, je parle pas. Elle parle de quoi? Elle parle des choses. Partagez-moi la vidéo là, c'est quoi cette histoire? Je prophétise sur tous ceux qui partagent que tu voyageras plus que moi. Tu vas voyager plus que ma cousine. Tu vas dire moi j'ai petit. Tu partages cette vidéo, tu voyageras plus que moi. Tu as vu comment tu parles? Toutes les semaines, tu seras dans un avion. Je retourne à Abidjan. Je viens de finir sur Paris, là, je suis à Abidjan maintenant. Alors, je demande à tout le monde de bien vouloir partager cette vidéo. Vous partagez cette vidéo, je vous donne une révélation. Je répète, nous sommes à 700 personnes, je ne vois pas 1000 personnes. Voilà, partagez-moi cette vidéo au maximum. Je veux voir les batailles. Fatmata, tu viens de te connecter, il faut partager. Et écrivez-moi le nom du pays de lequel vous me suivez. C'est une affaire de classe à faire. Voilà, quelqu'un qui est un prophète. Bonjour. Comment allez-vous? Dieu vous bénisse. On va prendre une photo ensemble? Oui, bien sûr. On va prendre la photo. Veuillez m'excuser, je vais prendre une photo avec quelqu'un qui veut prendre une photo. Avec le Taichi, le pasteur. Voilà, super. Merci bien. Ok. On ne force pas. Voilà, là nous ne sommes pas en classe, nous sommes en business class. C'est plus nous sommes seulement en business class. Pour le moment. Voilà, juste pour le moment. Et donc, qu'est-ce que j'aimerais dire? Ce que j'aimerais dire. Voilà, nous sommes à 800 personnes, je peux commencer à parler. Je suis à Paris, je suis à Abidjan. Parce que demain nous commençons le jeûne. Je répète une chose, identifiez les personnes qui aiment dire. Voilà, Nicoso, c'est
Il y a des gens souvent qui sont dans les débats. C'est même les débats de pauvreté. Les gens qui font des débats, non, telle personne voyage, il est marron, telle personne voyage. Tout ça, ce sont des affaires. Madame, monsieur, bonsoir, que je sois en business class, que je sois en place économique, ça viendra dans le tombe là. Mon ami, ils s'en foutent de business class. Ils ont toujours pas des. Donc ce sont des débats. Les bagages de petit format, j'en ai un, je voyage en camp business class. Moi, à un moment donné, le voyage est assez compliqué. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Il y a le monde du billet d'avion, 2 millions par semaine, ça va payer ça pour quoi? C'est la possibilité, c'est quoi? Je comprends. Si le billet est moins cher, je pars. Un enfant d'un bobo qui a voyagé dans le Baka, qui a voyagé dans le taxi Convé, plutôt dans le taxi Wawa, qui a voyagé dans le cadre climatisé, dans Zemidjan. Dieu me donne la grâce aujourd'hui, si il paye 2 millions de billets d'avion, il ne paye pas. Même si il est milliard, il ne paye pas. Il peut faire voyager en plan économique, en classe économique premium. C'est tout. Ça, c'est le minimum. Mais s'il y a des opportunités dans le business, je prends le billet. Si je le prends entre 2 millions et 100 000. Moins de 2 millions, je prends le billet. Maintenant, qu'est-ce que j'aimerais dire? Pourquoi le général Kamel m'a posé un voyage en business class? Quelqu'un m'a posé la question, m'a dit pourquoi le général Kamel voyage en business class? Je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi. D'abord, un, ça impose le respect. Quand vous êtes à l'aéroport, que tu as dans le rang des personnes qui ne te connaissent, qui ne t'aiment pas, tu as par exemple dans le groupe de personnes, de ceux qui attendent l'avion avec toi, quand les gens ne t'aiment pas, ils sont obligés de te respecter. Quand tu passes, il y a deux rangs. Voilà, il y a le rang business class et puis il y a le rang classe économique. Quand tu es dans le camp business class, les autres gars vont c'est le Mancuso, voilà. Ça prend maintenant les photos, on est obligé de te respecter. Là, vous êtes en bas. C'est comme ça, ça impose le respect. Mais dans la vie, là, quand on ne t'aime pas, il faut te faire respecter. On n'est pas obligé de t'aimer, mais on est obligé de te respecter. C'est très, très, très important. Je dis que c'est très important. C'est très important. Voilà, les parfaits, les autres gars, c'est des femmes qui sont aigries. Voilà, voilà, des femmes qui ont mal au cœur, non, tu voyages en ça te fait mal que je sois en business class. Ma chérie, tu ne vas jamais voyager en business class. On mourit même dans ton village, je ne vais jamais voyager. Je suis aussi là. Ma cause, c'est mon quotidien. Voilà, toutes les deux semaines, je suis dans l'avion. C'est mon quotidien. Le jour où j'ai beaucoup d'ailleurs, je suis en business class. Le jour où j'en ai pas en classe pour une homme, tranquille, je ne dois pas garder. Mais tu dois imposer le respect. C'est très important, le respect. Identifier les gens qui aiment parler de Mapusso, là, les dire, on ne les voit jamais voyager. Vous parlez des gens qui voyagent, vous ne voyagez pas. Voyagez, un jour on va vous voir. On va voir que vous quittez au moins votre pays. Il y a des gens qui parlent qui ne retournent jamais dans leur pays. Retournez en Côte d'Ivoire. Retournez en Côte d'Ivoire. Oui, ils sont en vacances. Mais elles vont en vacances. Non, on ne les voit jamais. Tu viens de parler des gens. Au lieu de se contenter, se concentrer sur la vie. La deuxième raison qui fait en sorte que tu voyages en business class, c'est une affaire de réseau. Le monde est un monde de réseau. Le monde, et tu verras toujours les gens qui n'ont pas voyagé jamais en t-shirt. Quand dans la vie tu es un chercheur, tu es à l'académie de la Marmaille, il ne faut jamais voyager en t-shirt. Le blanc te respecte pas, le blanc te respecte quand tu as mis ta cravate. Le blanc te respecte quand tu es bien habillé. Le blanc te respecte quand tu es bien mis. Il y a des personnes parce qu'ils vivent aux États-Unis, parce qu'ils vivent en Angleterre, parce qu'ils vivent en France, donc ils se disent que j'ai les papiers, donc je m'en fous. Non, c'est pas une question de je m'en fous. Moi j'ai vu des femmes voyager comme des vendeuses d'orange. Elles portent pagne. Je suis caoutchouc, avec ce qu'on appelle ça, chaussettes. Elle bagage les boucles, avec les. Ouais, les bords, les sacs qu'on a attirés sur voyager sur le sac à la main. Le plan va te donner quelle importance? Mais tu n'auras jamais de réseau. Le monde est un monde de réseau. Quand tu es dans le monde là, il faut fonctionner en réseau. En business class, tu peux te faire des amis. Des amis. C'est en business class que j'ai rencontré le conseil du président, comme Sassou Nguesso. Aujourd'hui, nous sommes de bons amis. Mais pourquoi il m'a rencontré? Parce que j'étais en business class, pourquoi il m'a respecté? C'est business class. Il a essayé de me dire, ce monsieur, j'étais sur le général Kamel Makoso, le général de Dieu. Il dit, ah bon, oui. Ah, vous êtes sur internet? J'ai dit, bien sûr. Vous avez combien d'abonnés? Je lui ai dit, 680 000 abonnés. Il dit, quoi? Il dit, oui. Il dit, tenez ma carte. Le monsieur m'a respecté. Mais s'il est en classe économique, à côté d'une femme, à Tibaté, avec ses enfants qui pleurent, n'gain, comment je peux avoir un réseau? Comment je peux être intelligent? Le monde est tellement de système. C'est une question de réseau. Ça, je l'insiste, j'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus. C'est une question de réseau. Le monde est un monde de réseau. Tu ne peux pas fonctionner dans la pauvreté. Tu ne peux pas fonctionner dans la richesse si tu n'as pas un réseau.
C'est une question de religion. Vous êtes en téléphone, c'est religion. C'est pas de faire malin. J'ai fait cette vidéo pour vous dire que papa chauffeur, on s'en fout de ça. Voilà. On s'en fout de ça. Quand on fait un business, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est pas plein de cas. Est-ce que ça me paye une maison de quelqu'un? Ça me paye des quelqu'un. Mais je t'explique pourquoi je voyage en business de cas. Je fais des relations. C'est très 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 important. Vous voyez, il y aura toujours des femmes, par exemple, qui sont très bêtes que Philo. Voici une femme qui s'appelle Philo Guédette. Tu vois, tu es bête. Je suis venu signer des papiers bancaires. Conan, est-ce que Will a bien vendu, a été bien vendu à Paris? Tu vois, tu es tellement bête comme une chienne que ton esprit ne peut pas évoluer parce que tu es pauvre. On te dit, viens écouter comment sortir de ta misère. Tu comprends? Voilà, ma cousine vend maison. Voilà. Et ça coûte 65 millions. Et là-dessus, j'ai 25 millions de bénéfices. Donc multiplie ça minimum par 10 maisons. Tu seras minimum ce que ma cousine gagne dans le domaine des maisons. Minimum 10 maisons. Oh, on en vend 20 par an. Donc tu fais 250 millions multipliés par 10, ça fait 500 millions. On vous demande de devenir intelligent, vous restez bête. Et puis en plus, ce sont des femmes célibataires. Comme ces femmes. Bon, bref. Donc, dans la stratégie, permettez-moi de me mettre dans la position du professeur. Voilà. Souvent avec les écouteurs de cette manière. Tu mets ça comme ça. Voilà. Voilà. Donc, dans la stratégie de l'art de la marmarie, les relations définissent qui tu es. Les relations te permettent d'entrer dans des réseaux ou personnels ou des raisons pour lesquelles je prophétise sur toutes les personnes qui sont venues partager cette vidéo. Dieu permettra que vous entrez dans un réseau. Il y a des personnes qui disent souvent, non, le billet d'avion coûte trop cher, mais fais l'expérience une fois. Lorsque tu fais l'expérience la première fois, ne t'amuse pas. Choisis dans l'avion tes relations. Aide toujours ce qu'on appelle ta carte de visite. Il faut toujours envoyer des personnes qui parlent du voyage, mais qui n'ont jamais de carte de visite. Moi, par exemple, je n'en ai pas trop besoin parce que mon nom, mon visage est bien une carte de visite. Mais pour quelqu'un qui est sur le chemin de la réussite, il faut toujours avoir une carte de visite. C'est très important. Et sur la carte de visite, même quand tu ne fais rien, ma chérie, il faut mettre entrepreneur. Ça veut dire que tu te cherches. Tu entreprends. Voilà, tu entreprends. Tu es talent. Si tu es prof, il faut mettre marmailleuse. C'est tout. Et vous parlez quelque chose, hein? Et vous êtes là souvent quand vous parlez, ça rend ça sur la voûte. Dans l'art de la marmaille, il faut avoir des carte de visite. Tu ne fais rien comme boulot, il faut mettre entrepreneur. Soit tu mets femme d'affaires, tu mets homme d'affaires. Et tu te cherches tout ce qui est business, tu gères. C'est comme ça. Gotata, t'assois, t'es là comme ça. Puis pour venir frapper à ta porte, t'as menti. Il faut réfléchir, il faut créer le réseau. Il y a une femme, là, une jolie femme, qui m'a contacté à Abidjan. Je l'ai appelée, il vient me voir. Elle est venue me voir à mon appartement. J'ai regardé la fille, elle dit tourne-toi, elle s'est tournée. Elle dit maman, regarde là. Est-ce qu'elle est en forme avec lui? Elle dit ma chérie, doucement, pas tes jours. Ton gars s'appelle comment? Il dit, ah papa, tu m'as dit, moi on a un problème, il dit, fais quoi dans la vie? Ah! Il a passé concours de police, on attend, il dit, voilà, tu as dit, un sorcier. Ah, et ça, Dieu me voit, il dit, je vais réussir. Il dit, va t'asseoir exactement à Sofitel, hôtel Ivoire, voilà 10 000. Le soir, tu m'amènes le contact de 5 hommes qui t'ont dragué, ainsi que ce qu'il fait. La fille m'a amené les différents contacts. Je les repayé encore, les temps de retour. Elle m'a amené jusqu'à 15 contacts. Je dis maintenant, prends ton téléphone, change-le. Va payer un petit iPhone 7 ou iPhone 6. iPhone, c'est iPhone machine. Au lieu où parle, la petite là, sa vie en train de changer. Pourquoi? Quelqu'un vient de financer son projet sans qu'elle couche à la personne. Parce qu'elle est passée à mon école. Le réseau, les connaissances, les tactiques d'approche, appartenir à un réseau. Le business, c'est le réseau. Il y a des hôtels business, classe. Il y a des hôtels flocons. Si tu es toujours en Alokotom, Koutoukoutom, Placalitom, ta vie sera un drame. Mais quand tu as pas fréquenté les bons lieux, les bonnes personnes vont te remarquer. Les bonnes personnes vont rentrer dans ton réseau. C'est pas tout le monde qui peut comprendre ça. Parce que je parle pas à tout le monde ici. Je parle aux êtres intelligents, aux gens qui veulent avancer, aux gens qui ont quelque chose dans la tête, aux femmes qui en ont marre de la pauvreté. Écoutez ma cousine, je suis votre père. Je suis votre professeur. Il y a des derniers de la classe. C'est ceux qui critiquent toujours le professeur. Donc je vous donne ces conseils-là, c'est gratuit. Voilà. Attends, normalement, vous devez me faire une offrande. Attends, vous avez donné tous ces conseils. Je ne donne pas ces conseils pour les donner. Je vous parle de me faire une offrande. Je vous parle, vous devez me faire une offrande, c'est obligatoire. Là. Voilà.
c'est une affaire comme ceci. Mais mon frère, tu veux réussir. Tu es toujours à la maison. À Nissan quoi. À Bouy quoi. À Kei quoi. Mais ta vie va finir. Ta vie va finir dans le coin. Tu peux vivre dans un quartier misérable. C'est là-bas que tu dors. Mais tu n'es pas obligé de passer ta journée là-bas. Je te dis, wallahi bilahi. J'ai dit wallahi bilahi. Tu peux habiter dans un quartier misérable. Mais tu n'es pas obligé de passer ta journée dans le quartier. Tu te mènes bien, tu vas quelque part. Tu te mènes bien, tu vas quelque part. Et ensuite, tu vas dormir là-bas, c'est ton toi. Mais il y a ton lieu de chasse. Dans la vie, quand tu es réussi, c'est un chasseur. Tu veux réussir dans la vie, il faut être un chasseur, il faut aller l'esprit du chasseur. Le chasseur n'a pas le gibier à la maison. Le chasseur va aussi pour le gibier. Il y a des femmes qui disent des choses au Sénégal, mais viens Abidjan. Vous qui êtes au Sénégal, au Mali, au Burkina, m'aperçois Abidjan jusqu'au Togo. Et plein de d'avion, venez me voir. Venez me voir que nous discutions. Venez me voir que nous parlons. Venez me voir que nous nous entretenions. Vous me parlez de quoi? Tous ceux qui partagent cette vidéo, vous serez bénis. Là, je n'ai même pas encore commencé à parler. Les cours de la maman, ils n'ont pas encore repris. Mais je me sens un peu inspiré, c'est tout à fait normal que je vous donne. Comme on n'est même pas 1000 personnes, c'est-à-dire vous refusez de partager la vidéo tellement que vous êtes méchant, vous êtes mauvais comme la trompe. À tous les gens de la RDC, maître Amina, voici une femme avocate qui me suit. Si moi je suis avocate, mais moi je suis obligé de réussir dans ma vie. Parce que même étant avocate, j'allais de la marmaille. Dans tous les domaines de la vie, il faut la stratégie. Il faut maîtriser l'art de la stratégie. Il faut maîtriser l'art de la stratégie. Même ta montre doit parler. Cette montre, je l'ai payée à près de 80 000 francs. Ce n'est même pas cher. Mais quand je porte la montre, j'ai l'impression que c'est peut-être 1 million. Parce que je sais la mettre en valeur. Je sais la porter. Je sais l'histoire. Voilà. Quelqu'un m'a dit, non, mon général, comment tu as fait que tes lèvres sont mon ami. Je me lave. Il n'y a même pas quelque chose. Je me lave. C'est tout. Voilà. Et je vois que tu me lèves, je lève. Je prends un point, je frotte bien souvent. Et tout ça, ça s'entretient. Tout ça, ça joue un rôle. Je vous l'explique, je vous le réexplique. Le monde dans lequel nous sommes, on n'a pas de vie. On ne va pas mourir pour revenir au monde. Et chaque année qui passe, on nous conduit vers la mort. C'est-à-dire chaque année qui passe, tu prends de l'âge. Tes reins ne vont pas fonctionner de la même manière. Ta manière de courir ne sera pas la même. Ta manière de penser ne sera pas la même. Pendant que tu as la force, mange. Pendant que tu as la force, bats-toi. Pendant que tu as la force, mets ta stratégie en place. Le monde est un monde de stratégie. La cause aussi va vous parler. Les gens. Barack Obama a dit, j'ai remporté les élections parce que tout simplement j'avais un directeur en stratégie. Qui est ton directeur en stratégie? À quelle académie tu appartiens? Je demande à tout le monde de bien vouloir s'abonner sur ma page. La seule page où vous avez les paroles de la vie, capable de vous amener à la réussite ici. N'allez pas écouter ces prédicateurs de rue là, qui passent le taquet à bas comme des sauvages là. Ils vont vous rendre pauvres et misérables. D'abord, même prédicateur qui passe tout son temps dans la rue, ça veut dire que ce prédicateur est très pauvre. Tu écoutes un pauvre, tu finiras pauvre. Il faut écouter quelqu'un qui a l'argent. Tu écoutes un pauvre, tu finiras pauvre. Si c'est un pasteur pauvre qui impose sa main sur ta tête, il va te transférer l'onction de la pauvreté. Il ne te parle de quelque chose. Et de moi, il faut fréquenter des gens pour changer votre vie. Ça, c'est Abidjan. Le vendredi, le samedi et le dimanche de la semaine prochaine, je vais remettre l'activateur, l'huile de la mire. L'activateur, l'huile de la mire seulement. À seulement que 150 personnes qui viendront me voir. Voilà. Vous allez payer ça. Et à vous donner, il y a laver vos pieds, vos mains, il y a vous donner des petits conseils. Je vais recevoir 50 personnes, vendredi 50, samedi 50, dimanche 50. Vous voulez réussir, venez prendre les éléments. Mais pour ça, il faut appeler la secrétaire à Abidjan. Tu es au Togo, tu es venu à Abidjan rencontrer le général, c'est le week-end prochain. Vendredi, samedi, dimanche, je reçois. Où que tu sois en Afrique, tu prends ton pied, tu descends à Abidjan, viens rencontrer le Daesh. Le numéro de téléphone, c'est le 04 68 40 40. Je répète, le 04 68 40 40. Pendant que je vous parle là, déjà, il y a 78 personnes en 24 heures qui se sont déjà inscrites. Si tu vis à Abidjan, tu es réussi. Il ne faut pas les inscrire. Il faut rester là seulement. Vous êtes toujours en train de parler de la vie des gens, de raconter la vie des gens, pour parler de la vie. Tu connais ma cause. Je peux m'asseoir, je ne suis pas pasteur, je deviens coach. Il y a mon hygiène, je peux un cahier mourir. Je vais dans les universités, je parle. Je suis conseiller spirituel de deux chefs d'État, de deux premiers ministres en Afrique centrale, d'un chef d'État dont j'étais le membre. Qui est en Afrique, quoi on appelle ça, de l'Ouest, qui m'a contacté pour sa réélection. Il dit, mon général, j'ai besoin de vos stratégies. Tu crois que le monsieur, c'est ton ami? Vous êtes assis derrière vos petits téléphones pour parler des gens. Apprenez à respecter les gens. Apprenez à respecter les gens. Tout le monde n'est pas pauvre comme vous. Tout le monde n'est pas bête comme vous. Quand tu m'écoutes, je suis bête. Je mets en garde ici les gens.
Si cette année finie que tu n'as pas mis ta marmaille en place pour avoir un jeton, si tu n'as pas eu l'argent, tu as foutu. Maintenant, vous les petites filles mal élevées, il y a des femmes qui sont très bêtes. Très bêtes. Vous avez lavé vos caleçons quand vous êtes resté bête. Je vous explique aujourd'hui, je peux me comprendre. Vous êtes en train de faire plein de fêtes. Vous êtes pauvres. Votre mère est pauvre. Votre père est pauvre. Vous vivez dans la précarité et dans un pays PPTE. Et vous êtes en train de chercher 100 000, 200 000 pour aller fêter. Vous êtes des petits beaux papiers. Et vous dites ça en même temps. C'est moi ma cause qui vous dit ça. Coupez cette partie, puis oubliez ça. C'est moi ma cause qui vous dit. Les mêmes 100 000 francs, 200 000 francs que tu vas les mettre dans la fête, dans la vie, dans le tissage, ces imbécilités qui ont mis l'Afrique en état, que vous avez fait pendant des années, votre vie n'a pas changé. Vous ne pouvez pas prendre cet argent pour commencer un petit commerce. Vous ne pouvez pas prendre cet argent à trois filles. Vous mettez 200 000, 200 000, 200 000, ça fait 600 000. Vous commencez un restaurant. Vous ne pouvez pas réfléchir. Vous êtes encore dans ces enfantillages. J'allais me natter, j'allais me tisser pour fêter. C'est quoi la belle fête? C'est l'homme qui a réussi qui fait. L'homme qui n'a pas réussi ne fait jamais. C'est cherche. Comment c'est la nouvelle année, je dois fêter. C'est cette bêtise. Il y a des femmes comme ça qui m'amènent des messages. Mon général, pardon, faut m'aider. C'est les fêtes. Je vais me tisser, je vais me coiffer. Et dit ma chérie, va trouver ton biseur. C'est l'homme qui te pèse, qui doit payer ça. C'est des conneries. C'est des bêtises. Moi, je ne connais pas ce qu'on avait fait. Je n'ai jamais fêté mon anniversaire, sauf à Paris, la dernière fois. Les enfants ne connaissent pas ce qu'on appelle la fête. Ils vont mettre un petit arbre de Noël, c'est fini. Ils disent que j'ai fait une bûche spéciale pour leur donner cette bûche, une bête de tarte. Je ne suis pas dans ces bêtises. Il faut qu'on analyse les choses, comprendre les choses, comment le monde fonctionne. Des imbécilités pareilles, des femmes inconscientes. En train d'embrouiller le mari, fatiguer les gens. Toujours, je vais fêter, je vais fêter. Des femmes même, tu vois, qui n'ont plus parlé à leur mari. Parce que tout simplement, elles vont donner 100 000 francs pour la fête. Votre attention, s'il vous plaît. Va payer des enfants. Monsieur Kwame Jean-Paul, parfait. Si vous êtes à bord de cet appareil, vous voulez contacter le personnel de bord. Merci. Monsieur Kwame Jean-Paul, parfait. Tu ne dois personne, ma chérie. Si tu te battes ici, tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Tu n'as pas payé iPhone 11. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Tu n'as pas payé nouveau habit. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Faut porter l'ancien habit. Va t'asseoir quelque part. Dis Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as permis de voir 2020. Même avant 2020, je veux voir mon jeton. Je vous dis, mes copains, écoutez-moi. Vous rencontrez un homme qui n'est pas prêt à réaliser votre projet. N'enlevez pas votre caleçon. C'est pain, c'est ton pain, c'est malédiction. J'ai de mal d'argent. Dis la vérité. Je suis l'avocat, le professeur des femmes qui souffrent. Pas des femmes qui souffrent. Et puis ils ont le commis de m'amener des messages. Oui, moi en général, c'est les fêtes, faut censé, faut faire un petit orange money. C'est comme ça, on va te déterrier les pasteurs. N'importe quoi. Comment ils te font un vieux tournant où? Si moi j'étais en prison, tu allais m'amener des messages comme ça. Si moi j'étais pauvre, j'étais inconnu, tu allais me dire ça. Donc, je conclue pour dire. Voilà. Je conclue pour dire. Nous n'avons pas de vie. Et ça, vous devez me comprendre. Je le dis. Aujourd'hui, peut-être que tu es une belle femme, tu es un beau garçon. Tu as la force, tu as la capacité. C'est maintenant ou jamais. Les actes que tu poses aujourd'hui, les dépenses ou les économies que tu fais maintenant, dans 10 ans, c'est ce qui va te définir. Les 30 000 que par semaine tu mets dans la fesse des femmes, multiplié par 4 semaines, ça fait 120 000. Multiplié par 10 mois, ça fait 1 200 000. Tu peux réaliser un projet, tu peux mettre un taxi en ligne, tu peux mettre un wow. Faisons attention, on n'a pas de vie. La moindre erreur de notre vie, nous allons payer cash. Parce que je connais aujourd'hui des hommes qui ont 60 ans. Mais à force de coucher avec les femmes, ils ont insuffisance rénale, ils sont couchés, ils chient sur eux, ils pissent sur eux. Et on est obligé de les soutenir. Faisons attention. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Tous ceux qui vont me partager cette vidéo, que l'Éternel vous localise où que vous êtes dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. J'arrive à Abidjan à partir de 3 heures. Affaire à suivre.